Salut à tous, c'est Raptor pour Passion Geek et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Max Payne 3. Alors Max Payne 3, un jeu édité et développé par Rockstar Games, sorti le 18 mai sur Xbox 360 et PlayStation 3 et le 1er juin sur PC. Alors Max Payne 3, ici présent sur PC, a été correctement optimisé par Rockstar, pour une fois. Alors on attaque tout de suite par le test des graphismes. Alors le jeu est beau, malgré ce qu'on peut voir sur certains forums tels que jeuxvideo.com. Toujours des trolls pour dire que le jeu est vraiment moche. Bon, on va pas tergiverser là-dessus. Au niveau des textures des visages, c'est presque du LA noir. C'est vraiment très beau. À part certains petits effets sur des détails qui sont un peu floutés ou des détails un peu oubliés, faits à la va-vite, c'est vraiment pas le gros du jeu. Le jeu a un gros potentiel assez photoréaliste, j'ai envie de dire, surtout dans les niveaux dans les favelas, ceux qui auront le jeu comprendront. Mais bon, les graphismes ne font pas un jeu et on passe à ce qui fait un jeu, le gameplay, et c'est tout de suite, c'est Max Payne. Alors voilà, Max Payne, l'effet ralenti à la Matrix, comme certains disent. Alors, petite nouveauté ici présente, le fait de se cacher derrière les objets. Ce système comporte légèrement quelques défauts, dans le sens Max ne pourra pas se cacher derrière un objet parfaitement solide, ou alors il ira se cacher au mauvais endroit, enfin bon, ça c'est des petits détails de collision un peu. Alors, viens à toi. Prends ça dans ta tête. Alors, le jeu est un peu quand même... un peu gore, enfin c'est du Rockstar, c'est assez mature, c'est assez violent quoi. Allez, une petite roulade pour lui. Bon, j'ai quasiment fail, mais voilà. Alors hormis ça, le gameplay est quand même basique, hein. On avance, on tire, mais contrairement aux autres Max Payne, il y a un petit côté j'ai envie de dire semi-exploration pour trouver certains indices et les fameuses pièces d'armes en or. Alors on va attendre que la cinématique se passe et je vais montrer un peu comment ça se passe au niveau des armes en or. Et oui, c'est dégueulasse. Alors, ici dans les menus, on peut voir qu'on a le plaquage armes en or avec ou sans. Donc, qu'est-ce que ça change vraiment dans le jeu? Pas grand chose, hormis un chargeur et avec plus de balles et un petit côté qui coule à la Call of sur le camouflage. Alors pour en revenir aux indices, ce truc ici présent, faut pas trop fouiller. Joli bug de collision. Faut pas trop fouiller pour les trouver, mais certains sont bien cachés, on va dire ça comme ça. Alors côté voilà, nostalgique à la bon vieux Max Payne, pas de système de santé qui redescend tout seul. C'est bon d'avoir ça. Alors il y a un petit côté personnellement qui m'a dérangé dans le jeu. C'est ça, alors on est souvent entouré de PNJ. Et qu'est-ce qu'ils sont chiants toujours à parler. Viens là Max, viens là. Enfin, on n'avait pas l'habitude avec ça avec Max Payne. C'est pas vraiment un point négatif, mais bon, voilà. Et un autre point qui est négatif et positif à la fois, c'est les cinématiques. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup dans ce jeu. Rockstar l'avait annoncé, donc pas de problème là-dessus. Mais bon, comme je dis souvent sur les forums, il y a toujours des gens pour se plaindre pour pas grand chose. Petit côté casual aussi, on a le droit qu'à 4 armes, 3 même. Les autres c'est vraiment du dual wielding. Personnellement ça me dérange pas trop dans le sens où c'est assez bien fait. Voilà, par exemple je vais prendre mon micro M9 et Max tient son fusil à pompe dans l'autre main. C'est franchement, c'est un petit côté, c'est vraiment que visuel, mais j'adore. Donc voilà, encore une cinématique. On en a vraiment beaucoup dans le jeu. Toutes ne sont pas passables en plus. Donc pour ceux qui jouent en des difficultés assez élevées, ça peut être dérangeant pour eux. Et surtout que le jeu, dans les premiers niveaux, est beaucoup très cinématographique. Après, on a un peu plus de liberté et plus de gameplay que de cinématique. Donc question ciné, graphisme et gameplay, on en est là. Au niveau du son, le jeu est intégralement en VO sous-titré. Et c'est mieux comme ça parce que généralement les VF sont vraiment massacrent complètement le personnage. Surtout que là Max est vraiment un personnage très, j'ai presque envie de dire poétique, dans le sens où il sort des mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre
c'est vraiment quelqu'un au monologue et qu'on entend donc énormément souvent. Oui, 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 laisse-moi faire mon test, mon petit. Bon, remarquez une cinématique après, on va pouvoir passer à ça. Donc oui, donc au niveau du son, le jeu, il est excellent, je retrouve rien à dire. Les musiques sont très bonnes aussi, c'est un peu moins sombre que les autres Max Payne. Bon, c'est plutôt, ça pète vraiment bien. C'est pas si mal. Au tout dernier niveau du jeu, il y a vraiment une superbe musique qui colle vraiment à l'ambiance du niveau, de l'action. Ce qui se déroule à l'écran, elle est vraiment parfaite. Malheureusement, je vais pas pouvoir vous le montrer sans risque de spoil. Donc justement, en parlant de spoil, on va passer un peu sur le scénar. Le scénar du jeu en lui-même est assez cliché, basique, mais Max Payne, c'est surtout les personnages et surtout finalement le scénario de Max en lui-même plutôt que le jeu. Enfin, disons qu'on s'intéresse plus aux personnages de Max qu'à vraiment au scénario du jeu lui-même. Max est quelqu'un de très torturé, presque dépressif, qui aimerait mourir. Tiens, je reprends ça. À la toute première cinématique du jeu, j'avais de la peine pour lui honnêtement. Bref, le personnage est vraiment attachant. Pour ceux qui ont joué aux deux premiers déjà, c'était déjà quelque chose. Donc scénario sinon ultra basique. Hein. Ça, c'est Max versus le grand méchant, une histoire de trahison. Un scénario à la Max Payne. Niveau de la durée de vie, justement pour compléter ce scénario, bah... Selon la difficulté, je dirais qu'on tape pas du très haut. En facile, personnellement, le jeu il est à 8-10 heures à tout casser. Ce qui est vraiment bon dans le standard actuel. On tape dans le moyen, on a tapé à 12-13 heures. Alors si on tape dans la difficulté, fou furieux ou autre, une éternité. Non, peut-être pas quand même, on va pas abuser à ce point-là, mais le jeu a vraiment une excellente durée de vie. Y a rien d'autre à dire. Pour ce qui est du solo, le jeu, franchement, je le conseille à toutes les personnes ayant joué aux deux premiers Max Payne, malgré qu'on change d'endroit, qu'on soit au Brésil, que soit le soleil, Margarita et autres, qu'on soit plus dans cet effet un peu sombre. Je le conseille vraiment, et pour toutes les personnes qui découvriraient Max Payne avec celui-là, je le conseille aussi dans le sens où on n'a pas spécialement à avoir besoin des deux premiers pour comprendre, si ce n'est l'histoire de Max ou la grenade. Ah oui, tiens, j'ai pas précisé ça, mais l'IA en elle-même est assez... Bon, je dirais pas trop intelligente, mais bon, elle est vraiment pas conne. Ils ont des dialogues assez sympas du genre « Cover me, ok, I cover you, motherfucker », enfin ce genre de truc. Désolé pour l'insulte, mais c'est un peu ce qu'on entend. Ah, j'ai oublié de préciser aussi une dernière petite chose, c'est que vu qu'on est au Brésil, forcément la langue américaine n'est pas la première langue, c'est le portugais, et le jeu n'a pas été sous-titré en français quand ça parle en portugais, hein. Et bien c'est fait exprès pour se mettre encore plus dans la peau de Max qui ne comprend strictement rien. Ça donne des passages assez rigolos dans le jeu, pas de quoi... Et pas de quoi déranger la compréhension de l'histoire. Alors la petite nouveauté aussi de ce Max Payne que je n'ai pas trop testé, mais je vais quand même donner mon avis là-dessus, c'est le multijoueur. Alors personnellement, le multijoueur m'a l'air assez bon, voire peut-être même excellent, hein, j'y ai très peu joué. Mais c'est pas ce qui fait l'achat d'un Max Payne, de ce Max Payne, car c'est le seul qui a un multijoueur. Donc après à vous de voir si vous avez vraiment envie de vous lancer aussi dans le multijoueur, vous mettre aux 70€, est-ce que ça vaut le coup vraiment quoi. Mais voilà, pour ce qui est de multijoueur, moi je suis pas fan. Pour moi Max c'est vraiment un jeu solo. On va bientôt arriver à la fin de ce test. J'aimerais surtout préciser un point, c'est que c'était mon premier test, donc avis à toute critique. Et surtout que j'ai fait quelques tests et que le son du jeu était pas spécialement fort et ma voix assez. Donc vous m'en direz aussi des nouvelles. Je vous aurais bien montré la scène finale de ce niveau, mais ça spoil un peu trop. Donc je crois qu'on va se laisser là. Avant de encore se faire une cinématique. Hein. Et on va se droguer aux antalgiques avant de se quitter. Donc si vous avez aimé ce test, bah, laissez un j'aime.
Parlez de passion geek à vos amis, ça c'est comme ça qu'on fait grandir une communauté. Participez, commentez, n'hésitez pas et abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'était Raptor pour Passion Geek et on se dit à la prochaine.